Merde. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Je peux nettoyer tout ça, je... T'inquiète pas pour ça, mon enfant. On a du personnel pour faire le ménage. Angel, je peux te parler dans ta loge, s'il te plaît? Val, écoute, je savais pas... Val, je... Tu crois sincèrement que cette salope de fille de Lucifer peut te débarrasser de moi? Val, s'il te plaît. Je vais venir ici pour qu'elle te protège, pour qu'elle m'emmerde. Val, arrête. Tu crois qu'elle peut te libérer de mon emprise? Non, c'est pas du tout ce que je cherche à faire. Elle n'a aucun pouvoir sur toi. Tu m'appartiens. Tu as pas oublié ce détail. Non. Quand je te dis viens, tu réponds. Oui, Valentino. Quand je te dis baise avec 20 mecs avant le déjeuner, tu réponds. Oui, Valentino. Quand je te dis tu ferais mieux de virer cette pétasse de mon plateau, tu réponds. Tu réponds. C'est que Val, elle se mêle toujours de tout, mais je vais lui dire de partir. Lui fais pas de mal. J'ai tué des grosses salopes dans ton genre pour moins de ça, trou du cul. Mais tu me rapportes un max de fric. Alors débarrasse-nous de cette pouf et ensuite on tourne toute la nuit. Compris? Oui, Val. Bien. C'est parti. Tu remets ton petit cul là où il était et on reprend tout depuis le début. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez le traiter comme ça, Charlie?